Vengo del agua que el tiempo oscurece, de esas miradas que ya ni se miran. Vengo queriendo colgar en paredes todas mis ansias, batallas perdidas. Vengo volando y despeinando, vengo soñando y calculando mi aterrizaje en tu dilema. Vengo del viento recién cortado, y es que yo vengo desde mar adentro, cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Vengo naciendo aunque venga algo muerto, y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos. Vengo queriendo ganarme tu alma, tu soledad rellenarla de encuentros. Vengo perdido y algo aturdido, vengo midiendo y susurrando un gran asalto a tu sonrisa. Vengo dispuesto, vengo esperando, y es que yo vengo desde mar adentro, cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Vengo de esa gota de rocío que ha empañado todos los sentidos. Vengo del frío, de las nostalgias. Vengo de esa lluvia pasajera que ha empapado todos los caminos. Vengo de un hilo y con sonidos vengo a contar contigo. Miranda, docteur, Miranda, mon quartier, au vide, va chercher un brancard. Miranda, je t'en prie, réveille-toi, Miranda. Miranda, réveille-toi, je t'en prie. Je ne peux pas y croire. Yasmin, je ne peux pas y croire. Miranda, c'est vraiment incroyable que Donna Elba nous ait quitté de cette manière. Ce n'est pas possible. Miranda. Mon cœur, mon amour. C'est le comble, Dario. Comment oses-tu m'offenser ainsi, en me reniant, moi qui suis l'unique mère que tu as connue et qui t'ai absolument tout donné? Non, 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 un moment. Toi, tu m'as rien donné en commençant par la vie, parce que t'es pas ma mère. Je t'ai élevée comme ne si je l'étais. Ne sois pas fausse, maman, ne sois pas fausse. Tu m'as élevée à ton propre bénéfice, tu m'as modelée à ta convenance. Tu as créé avec moi un être que tu pouvais manipuler comme tu en avais envie. C'est pourquoi tu détestes Miranda, parce que tu peux pas la manipuler, hein. Celle-là, tu pourras pas la manipuler comme tu veux. Et ça met en danger tout ton argent. N'est-ce pas, Teresa Antonetti? Comme je te déteste, Miranda Valadares! Mamie... Du calme, mon amour, du calme. Je veux la voir. Pardonne-moi, mamie. Je t'ai tué. Pardonne-moi, non, mamie. Amour, pardonne-moi. Pas ta faute. Calme-toi. Grand-mère. Je l'ai tué. Pardonne-moi. Pardonne-moi, mamie. Mamie, chérie. Mamie. Le sédatif est en train de commencer à faire son effet. Laissons-la se reposer. Bon, je serai à mon cabinet si vous me cherchez. Merci. Allonge-toi, mon amour. Reste tranquille. Grand-mère. Je regrette. Mamie. Je regrette, mon amour. Tu ne peux pas savoir combien je regrette ça. Grand-mère. Georges. Georges et ma sœur. Je veux être avec elle, s'il vous plaît. Pour l'instant, ce n'est pas prudent, Vicky. Ta sœur était très tourmentée, nous l'avons mis sous sédatif. Calme-toi, mon amour. Je comprends tout ce par quoi tu es en train de passer. Mais tu dois être forte. Alors, Leonardo, que s'est-il passé avec Miranda? Comment va-t-elle, alors? Elle a eu une crise et... elle est très affectée. C'est normal, non? Grand-mère! Ah, Leonardo, pourquoi est-ce que ma grand-mère a dû mourir? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça me fait de la peine pour elle. Je sais comment tu te sens, Vicky. C'est un coup mortel pour vous. Personne ne s'y attendait.
Ce type n'est qu'une mauvaise ombre dans la vie de Miranda, brother. Ah, attends, Manolo, tu vas où, là, comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Misérable, comment ça? Où je vais, mon gars? Lui dire ces quatre vérités à ce misérable. Enfin, mais ne sois pas bête, tu ne vas nulle part. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Moi, ce que je veux, c'est lui briser le cœur à cet abruti. Manolo, il y a suffisamment de problèmes pour en rajouter, alors s'il te plaît, tu restes tranquille. Reste tranquille, Manolo, s'il te plaît. Écoute-moi bien. Tu es le grand responsable de ce qui est en train de se passer ici. Parce que Donna Elba ne t'a jamais aimé. Éclaire-moi donc ça. Qui es-tu? Qu'as-tu à voir avec mon épouse? Ton épouse, mon œil, mon gars, qu'est-ce qui t'arrive? T'as que ça à la bouche en sachant que tu as utilisé Miranda pour te débarrasser du dépit accumulé par ta propre femme. Ça, je ne le supporte pas. Vas-y, viens, je ne me permets pas. Ça te gêne comme Isabelle qui est en face. C'est tout important, imbécile. Pourquoi je pense autant à toi, Elba? C'est que je ne peux pas t'ôter de mon esprit, tu sais. Et que se passera-t-il? J'ai vraiment besoin que tu me pardonnes. Maintenant, ici, assis, je me sens complètement impuissant avec cette incapacité à parler. Je veux te dire que nous ne pouvons pas vivre remplis de haine. Surtout pour ta petite fille, ta belle petite fille Miranda, qui grâce à Dieu s'est mariée avec Leonardo. Je t'interdis de t'approcher de Miranda, tu as compris? Ah, allons, s'il vous plaît, contrôlez-vous! Tu dois respecter le moment par lequel est en train de passer cette famille. Et qui tu veux que je respecte? Hein, celui-là, il respecte les Valadares, lui! Calme-toi! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez vous calmer tous les deux, vous êtes fous ou quoi, là? Messieurs, vos problèmes personnels, vous les réglez dans la rue, s'il vous plaît. S'il vous plaît, sortez tous d'ici. Et vous, monsieur Lombardi, suivez-moi, nous allons régler les affaires funéraires. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? C'est bon, c'est bon. Qui est ce type? De quel droit s'immisce-t-il dans ma vie et dans celle de Miranda? Je regrette beaucoup que la rancœur ne vous permette pas d'agir d'une manière plus intelligente, plus compréhensive et humaine. Je regrette que ce soit vous qui attaquiez Miranda. Du calme. Tu es dans une chambre de la clinique et je suis ici avec toi. Grand-mère. Grand-mère, que t'ai-je fait? Grand-mère, ma grand-mère, grand-mère, grand-mère. Je regrette. Je regrette tellement ce qui est arrivé. Tu ne peux pas savoir combien je regrette que notre mariage ait été si malheureux. Grand-mère. S'il te plaît, crois-moi, mon cœur, crois-moi. Grand-mère. Crois en moi. S'il te plaît, crois en moi. Grand-mère, qu'est-ce que je t'ai fait? Grand-mère. Mamie. Ma mamie. Cet imbécile, hein. Tu vas arrêter. Ça ne t'a pas suffi, la scène ridicule que tu as faite tout à l'heure? Ah Manolo, quelle honte tu m'as fait subir auprès de ces gens! Franchement, le petit show que tu nous as fait là-haut, là, c'est pas possible, ça, c'est le dernier, j'espère. Ah bon, toi aussi alors, ma sœur et mon meilleur ami sont contre moi non, et en monsieur, sa faveur. Non monsieur, il ne s'agit pas de vous monsieur, il s'agit de Miranda, tu comprends pas? Miranda, de sa douleur, de son malheur, nous on est avec elle et toi là, de plus cet ennemi tu l'as inventé. Écoute mon pote, ce type s'est marié avec la femme que j'aime. Hé, quel est le problème mon gars? Ça te donne pas le droit de t'immiscer dans cette relation, d'accord? Mais bien sûr que ça me donne le droit mon gars, si je m'en mêle parce que Miranda est la femme que j'aime et ce type est en train de l'utiliser, c'est tout. Il s'est marié avec elle par dépit, c'est tout, il l'aime pas du tout. Comment Manolo ose-t-il prendre cette attitude avec Leonardo Lombardi? Dans un moment comme celui-là, c'est un manque de considération. Germaine. Oui, Germaine, nous sommes ici à la clinique. Je dois t'annoncer une mauvaise nouvelle.
Comment va Miranda, Leonardo? Elle est toujours très très inquiète. Leonardo, nous pouvons aller la voir? Oui, oui, oui. Nous pouvons allez-y, entrer. Allez-y. Allons-y. Écoute-moi, mon vieux, vraiment, je regrette pour ce qui se passe. Ni toi ni elle ne méritaient ça, vraiment. Tout semble être contre nous. Je vais défendre ce mariage, ainsi même avec ma vie. Accepte ta défaite, mon gars. Dans la vie, il faut comprendre que quelquefois on peut perdre, c'est normal. Alors accepte la défaite et oublie Miranda. En plus, tu ne te rends pas compte que tu t'immisces dans les affaires des autres. À cause de ton comportement, Manolo, on peut nous virer de l'appartement, tu sais ça? Ou alors tu oublies que ce monsieur est le propriétaire des quatre murs où nous vivons? Ah, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. J'ai pas peur des millions de ce misérable. Alors supporte ça comme un homme et tais-toi. Toi, ce que tu veux, c'est te défouler. Bah vas-y, défoule-toi avec moi. Allez, viens. Frappe, vas-y, frappe. Frappe ici, là, allez. Toutes tes forces, vous vas-y, j'ai pas peur, vas-y. Vous comprenez rien du tout, vous comprenez rien. Allez vous faire voir tous les deux, d'accord? Manolo! Vraiment, tu pars. Théo, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Écoute, regarde dans quel état il est, il me fait peur, il est capable de commettre n'importe quelle folie, de faire n'importe chut, quoi. Mon cœur, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Ce jeune homme est grand et maintenant pour savoir que dans la vie, on gagne et on perd. Petite sœur, s'il te plaît, grand-mère, allons. Grand-mère, où est-ce que tu es? Qu'est-ce que je t'ai fait, grand-mère? Miranda, s'il te plaît, pitié, calme-toi. Mon Dieu. Ma sœur, allons, allons, s'il te plaît, ma sœur Mimi. Ma grand-mère, je l'ai tuée, non, vous ne comprenez non. pas, vous ne comprenez non, Miranda, pas. Miranda, je l'ai tuée. Miranda, s'il te plaît, calme-toi, oh, mon Dieu. Miranda. Mon Dieu. Oh mon Dieu, ma mamie. Miranda, reste tranquille. Papa, enfin je t'ai. Ma fille, pardonne-moi, mais j'avais mon portable éteint et je suis venu voir le vieux un petit moment. Je ne sais pas, cet après-midi, il m'a semblé le sentir un peu inquiet. Papa, il y a quelque chose de très important que je dois te dire et j'espère que tu comprendras la situation et laisseras de côté la rancœur. Mais pourquoi tant de suspense, Eloïsa? Je suis ici à la clinique avec Leonardo. Comment ça? Il est arrivé quelque chose à mon fils? Non, non, papa. Il s'agit de la grand-mère de Miranda. Madame Elba Montiel a été reçue ici à la clinique. Et regrettablement, elle a souffert d'une embolie et est décédée. Ah. Ainsi elle est morte. Elba Montiel. C'est tout ce que tu as à me dire, papa. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse par rapport à ça? Comporte-toi comme un gentleman, papa. Comme le gentleman que tu as toujours été en venant faire tes condoléances à Miranda. Bon, je ne sais pas, accompagne-la. Mais écoute, elle va vraiment très mal, elle est sous sédatif. Mais tu comprends, tout a été si rapide. Non, non, non. Mais pourquoi non, papa? Au moins, viens aux funérailles, je ne sais pas, je crois que ça serait convenable. Eh bien, s'il y a quelque chose, je ne suis pas hypocrite. Ainsi, je ne pense pas aller faire mes condoléances à quiconque, simplement parce que cette mort, naturellement, ne me fait pas mal le moins du monde. J'ai déjà pleuré suffisamment quand ma mère est morte. Et à cause de cette bonne femme... S'il te plaît, papa, cette dame a payé par des années de douleur. Et maintenant qu'elle est morte, ne t'enfonce pas plus dans la rancœur. Papa, je ne sais pas, va aux funérailles, accompagne Leonardo. Va avec lui. N'aie pas cette attitude si absente d'humanité, papa. Je t'en prie, s'il te plaît, apprends à pardonner. Non, non, Eloïsa, non, cette nouvelle, ce qu'elle provoque, c'est de la joie. La mort de cette femme mérite un petit toast. Je ne lui ai pas pardonné vivante. Je ne lui pardonne pas morte. Ainsi, la grand-mère de Miranda Valadares est morte. Ah, pauvre petite. Même la petite épouse de Leonardo n'a pas été épargnée. Ça a été ma faute. Ça a été ma faute. J'ai seulement pensé à mon bonheur. Ça a été ma faute, je l'ai tué. Est-ce que ça va?
Miranda, je ne savais pas que tu étais réveillée. Comment te sens-tu ? Ma grand-mère. Je me suis mariée avec un Lombardi. Sans que ça m'importe. Que cette famille ait fait tant de mal à ma grand-mère. Je me suis mariée avec le petit-fils de l'homme qui l'a tant blessée, tu comprends ? S'il te plaît, Miranda. Les Lombardi et les Valadares sont obligés de se réconcilier. Écoute-moi bien. Dans cette vie, rien n'est au hasard. Et si Leonardo est dans ta vie et sur ton chemin avec cet amour si grand et si sincère, c'est parce que ce bonheur vous vient de l'univers. Maintenant, tu fais partie de nos vies. Et sûrement, vous allez avoir des enfants qui porteront votre nom à vous deux. Eloïsa, s'il te plaît. J'ai causé cette mort, je l'ai contrariée, rien ne m'a importé. Miranda, tu n'es coupable de rien. Calme-toi, d'accord? Repose-toi un instant. Repose-toi un instant, repose-toi. Non, je dois être avec ma mamie. Je dois aller la voir. Il faut que je m'occupe d'elle. Tu comprends? Oui, ne t'inquiète pas, d'accord? Mon Dieu. Là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens d'apprendre la mort de la grand-mère de Miranda. Eh oui, cousin, c'est pour ça que j'ai oublié de te prévenir parce que tout est arrivé si vite. Ne t'inquiète pas. Eloïsa m'a prévenu, évidemment. Je viens de parler avec mon oncle Raimundo. Et que t'as dit, papa? Il ne va pas aller à l'enterrement, non? Non. Il refuse catégoriquement. Il fallait s'y attendre. Ce sont typiquement les attitudes qui m'éloignent de papa. Cette haine maladive qu'il a alimentée durant toutes ces années. Son rejet envers Miranda va nous éloigner, je te le dis, cousin. Bien sûr, tous nous connaissons son caractère démoniaque. Naturellement. Et Miranda, comment va-t-elle? Très mal. Elle est très triste, cousin. Elle se culpabilise de la mort de sa grand-mère. Chose qui est complètement absurde. Mais enfin, maintenant elle se repose. Nous devons aller à cet enterrement, c'est ce qui est convenable. Bien sûr, il faut y aller, hein. Quoi qu'il en soit, c'est la grand-mère de la nouvelle épouse de Monsieur Leonardo. Oh non, quelle horreur, mais quel mauvais augure pour des jeunes mariés. C'est qu'ils n'ont même pas pu profiter de leur lune de miel. D'abord avec Don Salvador qui est presque mort, et maintenant avec cette dame. Bon, mais il vaut mieux que ça arrive au début qu'à la fin. Parce que Miranda et Monsieur Leonardo, ce qu'ils ont entre eux, c'est leur jeunesse. Aussi, tous ceux qui ont fait une fixation sur l'échec de ce mariage, je crois qu'ils vont devoir rester sur leur faim. Garde tes appréciations, Koundé, à mort. Et ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Et toi, ne défends pas ce qui ne doit pas, Rimena. Moi, je ne comprends pas ta dévotion pour Madame Reza. Explique-moi, pourquoi vis-tu à ses pieds comme ça? Ne sois pas insolente, ma fille. S'il vous plaît, ne commencez pas à vous disputer. Souvenez-vous que cette famille vit un deuil. Bonsoir, famille Lombardi. Ah, c'est vous, madame. Ça va, Rimena? J'appelle pour savoir comment va mon bébé. Passe-la-moi. S'il te plaît, pour qu'elle parle avec sa gentille maman. Non, 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 votre fille est déjà en train de dormir. Oh, c'est dommage. Bon, eh bien, ce sera pour une autre fois. Écoute, et mon petit époux? Le monsieur, non, il n'est pas arrivé. J'imagine qu'il est occupé avec l'enterrement. L'enterrement? Qui est mort, Rimena? Ah, madame, ne me dites pas que vous ne savez pas. Elle est morte, la grand-mère de Madame Miranda. Oh, ce n'est pas vrai. Oh, pauvre petite, elle doit aller mal, non? Rimena, dès que tu connaîtras l'endroit où on va la veiller, tu me préviens, d'accord? Merci. Quelle histoire, Miranda. Définitivement te sont tombées dessus les 7 plaies de l'Égypte. Ah.
c'est la fin de Miranda Valadares. Allô, mon associé ? Oui, je t'écoute, Raïsa. Il se passe que j'ai une nouvelle qui te rapprochera à nouveau de ta chère Miranda. Et qu'est-il arrivé à Miranda ? Non, non, du calme. Ce n'est pas elle. Mais c'est qu'elle est en train de traverser une tragédie familiale. Sa petite mamie est morte. Ainsi, la pauvre doit être très seule et malheureuse en ce moment. Et toute faible. Ok, ok. Docteur Luisa Pérez est demandée à la réception. Merci. À ton service. Oui, moi aussi j'aimais cette vieille dame. C'était comme une seconde mère, comme une autre grand-mère. Et puis, je suis restée tant d'années à la regarder, à l'écouter. Elle était si belle. On m'a raconté qu'elle est morte en souffrant. Il semble qu'elle soit morte étouffée. Oui, c'est une mort atroce. Et il ne me semble pas juste qu'elle soit morte avec cette rancœur et que Miranda porte maintenant cette culpabilité. Bon, je sais pas, j'ai vu Leonardo très satisfait. Pour moi, il était comme très amoureux. Je l'avais jamais vu ainsi. Comme... Comment, comme quoi ? Ben, je ne sais pas. Comme je l'ai été, parfois. Eh bien, c'est que Miranda est une jeune fille de classe à part. Elle est si optimiste, si entreprenante. Comme toi. Et c'est pour ça que vous êtes amis, non ? Vous avez ce même tempérament, cette noblesse dans les yeux que vous ne pouvez pas cacher. C'est que vous êtes des femmes comme il y en a peu. Vraiment, je le pense. Elle a toujours été très, très attachée à sa grand-mère. C'est elle qui l'a pratiquement élevée, tu sais. La pauvre doit être anéantie. Et après ce que tu m'as dit sur Reza, je comprends mieux. C'est un coup très bas, Leonardo. Je ne crois pas encore à cette histoire. Et si c'est vrai, je doute énormément que cet enfant soit de moi. Eh bien oui, sans aucun doute. Il existe un doute. Parce que vous avez été ensemble à nouveau. Et comment vas-tu convaincre Miranda de ce que tu ressens pour elle si tu es allé avec Reza à nouveau ? Miranda est une femme intelligente. Miranda est une femme amoureuse, Leonardo. Une femme qui, malgré les obstacles, a cru en toi. A cru en moi ? Non, croit en moi. Tu ne t'es jamais posé cette question ? Où es-tu ? Où es-tu, ma belle Elba ? Qu'est-ce qu'il te sera arrivé ? Mais qu'est-il arrivé ? Car je te sens si près de moi ainsi. Si présente. Ah, mon cher Don Salvador. Un homme comme vous, si fier, si vivant, et regardez, condamné à une chaise pour la vie, comme un fardeau d'ici à là-bas, et de là-bas à ici. Mon petit, pauvre petit, si pauvre petit, vous ne pouvez pas savoir la peine que je ressens pour vous. En réalité, Salvador Lombardi, vous ce que vous êtes, c'est un vieux misérable. Espèce de sorcière malheureuse, pauvre malheureuse.
que se sera-t-il vraiment passé? Tu ne trouves pas qu'il tarde trop? Ouais, tu sais ce que je pense là? Et bon, je sais pas de quoi il s'occupe de Donna Elba, et ça prend du temps. Espérons que cette fois, la chose n'a pas été si terrible. Ah oui. Peut-être qu'ils sont en train de lui faire un tas d'examens et ces choses qu'ils font toujours. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Yasmina nous a pas encore appelés au moins pour nous rassurer. Oh. Je vais ouvrir. J'arrive. Ça va? Ah, les jeunes, je vous apporte une grande nouvelle. Que veux-tu, Nicasia? Parce que si tu es venu encaisser le loyer, Yasmina n'est pas là, donc ce sera demain matin. Non, c'est rien en comparaison de la nouvelle que je vous apporte, hein. Écoute, Nicasia, c'est vraiment pas le moment de faire des plaisanteries à ce sujet, d'accord? Alors arrête. Ah, vraiment, c'est pas du tout une plaisanterie, c'est que Donna Elbita est morte. Oh, non! Non, non, ma mamie ne peut pas mourir! Non! C'est pas vrai! Ma mamie, non! Bah si, non, si! Non! Allons, mon amour, allons, tranquillise-toi! Non. Ma mamie! Mon pauvre petit! Madame, que faites-vous? Vous êtes sous sédatif. Lâchez-moi. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Lâchez-moi. Miranda, s'il te plaît, qu'est-ce que tu fais? Non, essaie de te calmer. Je veux être avec ma grand-mère. Mon cœur, ta grand-mère a déjà été transférée à la morgue. Ils l'ont emmenée maintenant. Non, pourquoi l'ont-ils emmenée? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont emmenée? Ils devaient l'emmener, mon amour. Je sais comment tu te sens. Je sais combien tu l'aimais, mais tu ne peux une pas partie sortir. De ma vie part avec elle. Je veux être avec elle, Leonardo, mon s'il cœur, te plaît. Je ne peux pas permettre que tu sortes dans ton état. Si tu veux pleurer, pleure, mon amour. Miranda, avec moi, tu ne peux pas sortir jusqu'à ce que tu ailles mieux. Jusqu'à ce que tu ailles mieux. C'est très important pour moi, ma chérie. Il faut que tu te reposes. Tu sais, je regrette tellement ce qui s'est passé avec ta grand-mère. Tu es un menteur. Tu es un égoïste. À toi, rien ne t'importe de ce qui est en train de m'arriver en ce moment. Tout ça, c'est de ta faute. Tu es l'unique responsable. Tu es le seul responsable. Tu es l'unique responsable de tout ça. Note ça là, mon gars, tu sais que ça lui plaît. Allez, note ça. C'est permis par ici. Voilà pour vous, les gars. Et souvenez-vous, laissez-moi un pourboire. Ça va? Merci. Bingo! Mon numéro est sorti! Salut mon gars! Mais c'est quoi cette tête d'enterrement, hein? Allez, prends ça, va! Prends ça! Alors, ici, personne n'est mort, ok? Écoute, je suis là pour te remonter le moral! Allez, laisse-toi faire. Et oublie surtout, pour hier. Allez, reservez-moi une bière, allez. Tu ne peux pas savoir comme j'en profite de te voir souffrir. Ainsi handicapé dans cette chaise. Mais tu vas mourir quand tu te rendras compte de ce qui vient de se passer. Et de source très sûre, ta vieille amie, Elba Montiel, la grand-mère de Miranda, est morte. Ah, maintenant c'est que tu vas payer pour tout, pour tous tes cris, pour toutes tes méchancetés, toutes tes humiliations, tout ça. Oh.
bien mérité ce que tu as. Et là, tu vas rester, vieil insolent, jusqu'à ce que tu meurs. Non. Tu ne peux pas être morte, mon Elba. Tu ne peux pas être partie comme ça, sans me pardonner. Non, mon Dieu. Seigneur, non. Je t'apportais ce petit café, mais... Mais je vois que vous m'avez devancé. Oui, le docteur a eu la délicatesse de m'en apporter un, Théo. Et vous, madame, vous voulez un petit café? Non, non, merci. Bon. Héloïsa. Héloïsa, s'il te plaît, dis-moi, que vas-tu faire si tu veux? Je peux t'emmener à l'enterrement. Non, Pedro. Je n'ai besoin que tu m'emmènes nulle part. Et qu'est-ce que tu me disais, Théo? T'en veux? Voilà, je vous apporte votre petit thé à la pomme, Don Salvador. Ah! Don Salvador! Mais qu'est-ce qui vous arrive, Don Salvador? Ah, mon Dieu, à l'aide! Mademoiselle Rimena! Madame Rimena! Monsieur Maximo, à l'aide! Ah, Don Salvador! Don Salvador! Mon Dieu, mais Don Salvador! Ah, à l'aide! Don Salvador, mon Dieu, à l'aide! Don Salvador! Oh, 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 oh. Mademoiselle Rimena! Mademoiselle Rimena! Écoute, est-ce que tu pourrais me dire ce que faisait ce type avec toi? Quel type, Théo? Tu es devenu fou ou quoi? Fou? Lui, il l'est. S'il croit qu'il va t'arracher à moi, d'accord? Parce que je me suis rendu compte qu'il a posé l'œil sur toi depuis le mariage de Miranda. Et toi aussi, ma petite, on va voir si tu t'en tires comme ça. Mais enfin, mais de quel droit viens-tu me réprimander? Qu'est-ce qui t'arrive? Mon cœur, si je me permets de te réprimander, c'est parce que je suis amoureux de toi jusqu'aux os, il faut que tu le comprennes. Et non pour avoir couché avec toi une nuit. Lâche-moi. Lâche-moi. Non, Miranda, lâche-moi, tu ne peux pas sortir ainsi. Ils t'ont donné un sédatif, tu ne peux pas sortir. Lâche-moi. Miranda. 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 Après vous. Merci. Bonsoir. Bonsoir, merci. De rien. Bienvenue, monsieur Raimundo. Merci. Que souhaitez-vous prendre ce soir? Mon ami, ce soir, je veux que tu m'apportes une bouteille du meilleur champagne que tu aies en ce lieu. Bien sûr, monsieur. J'ai envie de faire la fête, mon gars. Et ça, monsieur Raimundo, pardonnez-moi, mais ce qui se passe, c'est que je suis vraiment intriguée parce qu'en premier lieu, il y a eu cette invitation vraiment soudaine, et puis un peu précipitée, non? D'abord, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'une affaire de travail. Non, Rita, non, 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 oublie le travail. Rita, tu es plus que ma secrétaire. Tu es une confidente, une amie. Oui. Et ce soir, j'ai besoin de quelqu'un avec qui partager. Oui, partager cette immense joie que je ressens. Et dites-moi, qu'est-ce qui vous rend heureux comme ça? Voilà comme d'habitude, monsieur. Ce sera parfait. Merci. Allô? Ma fille, oui, je t'écoute. Comment? Ah, mon Dieu, Jésus, Marie-Joseph. Mais Nicasia, dis-moi que ça n'est pas vrai. Dis-moi qu'il n'est rien arrivé. Qu'il n'est rien arrivé. Dis-moi qu'il n'est rien arrivé. Ah, Elbia, mon Dieu. Je peux vous aider, madame? Oui, allons, oui, j'arrive.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus à cette soirée. Ce show est pour vous tous, mais aussi pour une amie à moi. Une amie avec qui j'ai partagé des moments bons et des moments tristes, qui maintenant n'est plus parmi nous, pour elle, avec tout mon amour. Pour elle, dans mon cœur. Emperatriz del agua bien y alfombrarte de claveles la gran vía y bañarte con mi niño de Jerez en chicote un agasajo postinero con la gracia de la intelectualidad y la magia de un piropo que la calle de Alcalá, que sí, hazle guapa pa' donde esté mi alma, ahí va tu canción, hija, que sí, Madrid, 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 pedazo de España. Trinquons pour une vie qui dit au revoir à ce monde en ma faveur. Celle de la douce et tendre grand-mère de Miranda Valadares. À ta santé. Allons, que se passe-t-il dans ce petit esprit pervers? Ça, c'est élémentaire, mon cher petit Carvajal. Tout ce qui perturbe la vie de cette paysanne nouvellement mariée conspire en ma faveur. Et plus si cette mort coïncide avec la tragique nouvelle de ta grossesse. Si tragique qu'elle est partie du restaurant en laissant mon petit époux tout seul et à ma seule merci. Oh, qu'est-ce que t'en penses? Je ne sais pas, mais pour moi, ce sont comme trop d'événements ensemble pour des jeunes mariés, tu ne crois pas? La pauvre doit être anéantie. Que penses-tu si nous fêtions ça à notre façon? Comme lors d'autres moments mémorables? Résultat, notre relation est faite de rencontres et de non-rencontres. Je dirais plutôt de non-rencontre. Mais elle est unique, parce que c'est une relation d'amour et de haine, de désir et de rejet. Et même si ça ne te semble en rien romantique, mais je te l'ai toujours dit, nous sommes pareils. Ne me touche pas. Miranda, je sais que ce n'est pas simple. Que ce n'est pas simple pour personne, la mort d'un être cher, mais la vie, tu ne peux pas la prendre de cette façon. Je la prends. Ainsi. Ok? Et tu es la personne la moins indiquée pour me parler comme ça. Miranda, pourquoi? Je ressens comme si tu me rendais coupable. Comme si j'étais coupable de la mort de ta grand-mère, ce n'est pas possible. Ah, c'est que tu ne l'es pas, hein? Avec le cœur sur la main, tu ne l'es pas? Par exemple, c'est que tu n'es pas coupable de l'attitude de Reza? Hein? Comment est-ce possible, Leonardo? Que tu n'aies pas eu une attitude plus forte pour défendre notre relation devant cette femme, mon gars! Ne me touche pas! Ne me pose pas de questions. Je ressens ce que je ressens, et vraiment... cet amour que je ressens qui rend ma vie amère...
Peut-être que tu m'utilises comme une échappatoire. Peut-être que ton cœur pleure encore pour Reza. Leonardo! Miranda, je regrette beaucoup.